Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au stade olympique de Saint-Paul, là où dans peu de temps maintenant va débuter la cérémonie d'ouverture officielle des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Pour la troisième fois, la Réunion accueille donc l'événement après 1979, date des premiers Jeux, et 1998. On repart donc pour un nouveau cycle, un troisième cycle avec toujours comme point de départ la Réunion. Alors, à cette 9e édition, sont attendus près de 2000 sportifs de tout l'océan Indien. On les verra défiler tout à l'heure sur le tartan du stade olympique. À l'heure actuelle, eh bien, les personnalités, les hautes personnalités politiques, regardez, vous les voyez, arrivent au stade olympique de Saint-Paul ou dans quelques instants. Alors, c'est le ministre Patrick Kanner. Voilà, Patrick Kanner, accueilli par le maire de Saint-Paul, Joseph Snimalé. Patrick Kanner, ministre des Sports français, celui qui tout à l'heure aura la charge, je ne sais pas si on peut appeler ça une charge en tout cas, de déclarer officiellement l'ouverture de ces Jeux. Madame Bello et Patrick Kanner, je disais donc, en pleine discussion avec monsieur le préfet, toutes les hautes personnalités politiques et économiques de la Réunion sont là à ce rendez-vous des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Alors pour commenter, pour vous faire vivre cette cérémonie d'ouverture en ma compagnie, eh bien nous avons, alors j'ai envie de dire, deux personnages fins connaisseurs des Jeux des îles, car ils y ont participé, ils l'ont organisé. Alain Lanier, directeur du comité régional olympique et sportif. Bonjour Alain. Bonjour à tous, bonjour toute la Réunion et bonjour à nos amis des îles de Saint-Guy. Et avec moi également un sportif, un boxeur, un multiple champion de France de boxe amateur, Éric Murin, 4 fois champion de France senior de boxe amateur. Il a été également porte-drapeau du club Réunion, de l'équipe Réunion, lors des Jeux des îles 1993. Il a été médaillé d'or également à cette occasion. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Bienvenue au 9e Jeu des îles de l'océan Indien. Voilà, donc les présentations sont faites, mais également avec nous Valérie Filin, qui sera au plus près des acteurs de cette cérémonie d'ouverture, tout en bas au bord de la pelouse. Bonjour Valérie. Les personnalités politiques arrivent, mais est-ce que les supporters, les spectateurs ont commencé à investir les gradins du stade olympique? Oui, bonjour Johnny, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on ne peut pas vraiment parler d'invasion, on ne peut pas dire que les spectateurs aient envahi ce stade olympique de Saint-Paul, mais le public commence à arriver petit à petit, petit lampe. C'est vrai qu'on va passer un long moment, un bon moment ici, puisque ça va durer, le spectacle va durer près de 4 heures. Donc les gens, le public arrive progressivement. Nous sommes loin pour l'instant des 8000 personnes attendues. Il y a encore pas mal de tribunes clairsemées, mais il y a des supporters. Il y a déjà des supporters et il y a déjà des drapeaux installés ci et là, notamment le drapeau arc-en-ciel, drapeau mauricien, nos voisins, nos cousins mauriciens qui sont arrivés et qui sont en force pour supporter leurs sportifs. Côté réunionnais, on a fait un tour tout à l'heure du côté des athlètes et ils sont là, ils sont en forme, ils sont impatients d'entrer sur ce stade. Merci Valérie. Nous sommes dans ce qu'on appelle la séquence préparatoire de cette cérémonie d'ouverture à la Lanier. La cérémonie d'ouverture des Jeux, on peut le dire, c'est le premier temps fort de l'événement. C'est le premier temps fort de l'événement. C'est un événement solennel puisqu'il y a toute une partie protocolaire. Et effectivement, le lancement, il y a un certain moment, entre autres, la flamme qui s'allume au niveau des sportifs provoque une émotion très très grande. Donc on va vivre effectivement toute cette partie protocolaire qui est d'une grande émotion. Puis ensuite, on aura le droit, j'espère, à un très beau spectacle. Alors on a vu arriver Patrick Kanner, le ministre des Sports français, donc qui a été accueilli à l'entrée. Il va se rendre au salon afin de saluer les autres autorités étrangères et locales. Et ensuite, tout ce petit monde bien se rendra par l'escalier intérieur dans la tribune d'honneur, juste en contrebas. Éric Murin, ce premier temps fort, cette cérémonie d'ouverture, vous les avez connus deux fois en 1985, mais également en 1993. Vous étiez porte-drapeau de l'équipe Réunion. Comment est-ce que vous avez vécu en tant qu'athlète à cette époque ce premier instant des Jeux? Pour un sportif de haut niveau, c'est toujours un moment fort d'être porte-drapeau d'une délégation. On a quand même ce lot de responsabilité d'accompagner une délégation.
d'être un petit peu l'accélérateur de la motivation d'une délégation, donner les premiers repères à toute une île, l'île de la Réunion. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très riche pour un sportif de haut niveau, et ça reste quand même un souvenir inoubliable. Après, vous avez ceux qui sont déjà dans la compétition, ceux qui vont y être. Après, chaque sportif a sa façon à lui de rentrer dans cette compétition. Mais le moment fort, c'est vraiment la cérémonie d'ouverture, et le porte-drapeau est celui qui va donner ses premiers pas. Eh oui, celui qui va donner ses premiers pas, alors qu'on a vu les tribunes, les gradins du stade olympique de Saint-Paul qui commencent quand même à se garnir. Alors, inévitablement, mon cher Alain Lanier, une interrogation. L'interrogation du jour, est-ce que les Comores vont défiler? On sait qu'hier soir, il y a eu ce que beaucoup de collègues, de confrères ont appelé le premier couac des Jeux, c'est-à-dire le forfait des footballeuses avant le match contre la Réunion. Question, est-ce que les Comores vont défiler? On sait qu'il y a une réunion avec la tout à l'heure. Quelles sont les dernières? La délégation des Comores a rencontré quelques petits problèmes pour faire établir l'ensemble de ces visas, parce qu'ils ont eu du retard sur le plan administratif, d'où le forfait qu'il y a eu hier de l'équipe de football féminin. Aujourd'hui, nous sommes en réunion du Quige en fin de matinée. Le président du CNO des Comores, M. Ben Ali, a rencontré un diplomate de la préfecture, donc ils se sont réunis, et aux dernières nouvelles, le problème est réglé. Les visas qui sont en suspens, et donc par solidarité, l'ensemble des membres de la délégation comorienne envisager effectivement de ne pas participer à cette cérémonie d'ouverture. Tout est rentré dans l'ordre. Les visas seront délivrés. Les amis comoriens, donc les sportifs comoriens qui manquent à l'heure actuelle, devraient arriver demain, voire lundi. Et par conséquent, on aura le grand plaisir de voir la délégation comorienne participer à cette cérémonie d'ouverture. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et pour compléter vos propos, effectivement, ce problème de visa qui bloquait une trentaine d'athlètes, donc du côté de Moroni, est en passe, vous l'avez dit, d'être résolu. Aux dernières nouvelles, c'est une compagnie comorienne donc qui devrait rapatrier donc cette trentaine d'athlètes d'ici demain, c'est bien ça? Je ne sais pas exactement, je ne voudrais pas m'engager sur quelle est la compagnie aérienne qui va les rapatrier sur la Réunion. Mais effectivement, il y a deux vols qui sont prévus, un qui serait prévu dimanche et un qui est prévu lundi. Thierry Grimaud qui accueille le ministre séchellois, mais également les autres personnalités politiques. À ses côtés, eh bien, le président du comité du Conseil international des Jeux. Rappelons-le, Thierry Grimaud qui est président du comité d'organisation des Jeux des îles, donc de l'océan Indien, et qui a accueilli certains membres du Conseil international des Jeux des îles qui arrivent en ce moment donc au stade. Voilà, et tout ce petit monde va se diriger vers le salon d'honneur. Voilà nos amis comoriens, justement. Voilà, encore, c'est la preuve, s'il en était besoin, eh bien, que les Comoriens seront avec nous et défileront avec les autres délégations participantes à ces 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Voilà, les personnalités politiques qui continuent d'arriver ici au stade, qui vont, je vous le disais, se rendre au salon d'honneur et ensuite monter dans la tribune officielle. Délégation des Maldives, les officiels des Maldives qui arrivent. Alors la délégation des Maldives qui, contrairement aux autres années, eh bien, arrive ici en grand nombre. Il faut savoir que cette participation aux Jeux des îles s'inscrit également dans le cadre de leur 50e anniversaire de leur indépendance. Ils veulent fêter cet anniversaire avec faste, avec beaucoup de médailles, nous ont-ils dit. Tout à fait, les Maldives, effectivement, cette année, on a une très très forte délégation, et ils nous l'avaient annoncé il y a 4 ans. Ils souhaitent effectivement s'ouvrir davantage sur l'océan Indien et donc renforcer leurs relations sportives avec les îles de l'océan Indien. Et éventuellement, ils seront peut-être bientôt candidats, puisqu'ils avaient formulé l'intention d'une candidature pour les Jeux des îles. Peut-être que dans les prochaines années, on aura une candidature
donc, et des Jeux des îles aux Maldives. Alors on rappelle, hein, on a dit le chiffre à peu près 2200 sportifs, entraîneurs, encadrants donc seront présents et défileront tout à l'heure sur le tartan du stade olympique de Saint-Paul. Ils représentent 7 pays participants, les mêmes j'ai envie de dire, les mêmes depuis 2003, car depuis 1979 jusqu'à 2015, tous ces pays n'ont pas toujours participé aux Jeux. Une petite correction, oui, effectivement, on a Madagascar qui n'était pas présent au premier jeu des îles de l'océan Indien en 1979, mais qui a bien vite rejoint la grande famille sportive de l'océan Indien. Et donc les jeux suivants en 1985, les deuxièmes jeux des îles à l'île Maurice, ils étaient présents. Éric Murin, on est content que les Comoriens soient là. C'est vrai que cela aurait peut-être enlevé un petit peu de... Allez, un petit peu de plaisant, j'ai envie de dire, à ces jeux sans nos amis comoriens. Effectivement, c'est une très grande satisfaction de voir que la délégation comorienne participe à ces jeux. Je crois que c'est une partie de l'océan Indien qui a toujours été fidèle à ce rendez-vous. Et ça serait vraiment dommage que pour ces 9e Jeux des îles, nos frères amis comoriens ne soient pas présents. Je crois qu'aujourd'hui, on a le résultat d'un long travail de négociation, de compréhension. Et c'est vraiment très bien que la diplomatie a pu s'opérer dans le bon terme afin que cette délégation puisse être là et que tout le monde puisse en profiter de cette grande fête. Eh oui, la grande fête attendue ici à l'île de la Réunion pour la troisième fois, on le disait, la Réunion qui a... des accords avec le CIO, effectivement, et les Jeux des îles de l'océan Indien sont reconnus par le Comité international olympique. Donc on va avoir effectivement une première partie protocolaire qui va comprendre l'arrivée du drapeau olympique. Puis ensuite, on va avoir les serments, on va avoir la flamme qui va être allumée. Et puis ensuite, on va avoir le défilé de toutes les nations. Et ce défilé se terminera par l'arrivée de la délégation de la Réunion qui, en tant que pays hôte, comme traditionnellement cela se fait, défile en dernier. En déroulé donc par étapes bien précis, et celui qui devrait suivre bien, c'est l'arrivée donc des personnalités politiques dans la tribune officielle, et ensuite on se répandra dans l'air Saint-Paulois à l'hymne national, à savoir la Marseillaise, une interprétation dès l'arrivée du ministre français en tribune et le drapeau.
on va parler sport, on va parler donc de politique, puisqu'il y a une politique sportive, effectivement, qui va se passer, et les Jeux des îles de l'océan Indien contribuent fortement à cette politique sportive avec la création d'infrastructures sportives. C'est grâce aux Jeux des îles que la région a été dotée de belles infrastructures sportives. Dans ce stade de Saint-Paul, qui a été créé pour les Jeux de 1969, et donc automatiquement, effectivement, sport et politique fonctionnent ensemble, et on participe au développement de la société. Donc c'est normal qu'on soit tous ensemble pour le développement du sport et le développement de la société. Mais voilà, ils ne font pas toujours bon ménage, le sport et politique. Mais bon, dans le cadre des Jeux des îles, on va dire que pour l'instant, c'est l'entente parfaite. C'est pas l'entente parfaite, mais enfin, tant qu'il y a négociation, tant qu'il y a discussion, vous savez, ce paradoxe du sport, on s'en frotte pour mieux se rencontrer, pour être mieux solidaire, et voilà. Éric Murin, politique et sportif doit marcher ensemble, côte à côte, dans ce genre d'événement. Évident, pour réussir une manifestation de cette envergure, on a besoin de politiques, afin qu'ils prennent des décisions, des bonnes décisions. Les politiques ont besoin des sports, des dirigeants, afin qu'ils arrivent à assurer tout ce qui est logistique, sécurité, l'entraînement des sportifs. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que trop souvent, le sport dépend des politiques. Et je crois qu'à un moment donné, il faut juste que le politique puisse prendre les bonnes décisions afin que le sportif ne soit pas gêné dans sa gestion d'athlète ou dans sa gestion d'une politique sportive. Je crois que ça, ces Jeux des îles, 9e Jeux des îles, ça nous prouve quand même que dans ce domaine-là, on n'est pas aussi mauvais que ça, parce que même par rapport à des petites, je dirais, tensions, on arrive quand même à organiser les Jeux des îles. Ça, c'est assez... il faut le saluer. On va prendre des nouvelles, on va aller voir Valérie Filin pour savoir ce qui se passe. On sait on voit les collègues de la presse régionale dans l'attente de voir les personnalités politiques. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Valérie Filin ? Effectivement, Johnny, toute la presse régionale est ici, massée vers l'entrée de ce stade olympique de Saint-Paul. On guette, comme vous l'avez dit, l'arrivée de certaines personnalités. On a hâte, surtout, que le spectacle commence. En tout cas, en observant un petit peu les tribunes, nous avons pu voir quelques personnes, par exemple la nouvelle Miss Réunion qui est ici, bien entourée notamment de Aziz Patel. Elle a l'air ravie, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Il y a le maire de Saint-Denis, Monsieur Gilbert Annette, qui est arrivé avec sous sa veste un t-shirt aux couleurs du drapeau de la Réunion, le Mahavel. On sait qu'il y a eu une petite polémique autour de ce Mahavel. Certains auraient voulu, et je perds mon casque, donc je vais essayer de le redresser tout de suite. Certains auraient voulu que le Mahavel soit le drapeau des athlètes réunionnais, ce sera finalement le drapeau bleu, blanc, rouge. En tout cas, Gilbert Annette a affiché aujourd'hui sa préférence. Il y a une autre personnalité que j'ai pu apercevoir dans les tribunes. C'était un petit Gramoun assis tranquillement. Il m'a interpellé, m'a raconté son bonheur d'être ici aujourd'hui, car c'est un moment vraiment important pour lui. Cet homme a eu l'honneur de porter la flamme olympique, la flamme des Jeux ici à La Réunion à deux reprises. C'est Raymond Tangachi, Johnny, qui est là aujourd'hui, qui est là dans les tribunes et qui est très 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 ému. Merci Valérie, effectivement on l'a vu, Raymond Tangachi, le champion de marathon, le coureur aux pieds nus qui avait allumé la vasque en 1979 et en 1998 avec Bernadette Grimaud, athlète handisport, une grande dame du handisport qui nous a laissé beaucoup de souvenirs et beaucoup de grandes performances. Bon, on va revenir sur l'affaire des drapeaux, chacun fiche sa préférence, mais ce soir, aujourd'hui, la Réunion défilera sous les couleurs, le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau officiel. Bon, après, les petites préférences des uns et des autres, mon cher Alain Lanier. Oui, tout à fait. Bon, on reste quand même dans le cadre officiel. Il y a un drapeau réunionnais. Bon, est-ce que c'est vraiment un drapeau réunionnais ? Il faudrait peut-être qu'il y ait là une dimension qui soit prise en compte par l'ensemble de nos collectivités politiques. Peut-être que la population réunionnaise devrait être appelée, qu'il y ait une consultation effectivement pour définir qu'est-ce qu'est le drapeau réunionnais. Mais pour l'instant, la charte effectivement prévoit que c'est le drapeau français.
pour la Réunion, et donc la Réunion porte les couleurs effectivement du drapeau français. Oui, Eric Murat, allez-y. Oui, je crois qu'aujourd'hui, Johnny, il faut le dire, les Réunionnais sont assez matures pour différencier le drapeau français et le drapeau réunionnais. Je rappelle, historiquement, ce drapeau était, je dirais, fait l'objet d'un concours qui a été arbitré par l'association Vexivologie. Je crois que c'était en 2006. Voilà, au fur et à mesure, ce drapeau, il y a une visibilité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui se posent énormément de questions. Je rappelle que ce n'est pas une question de crispation identitaire, c'est une question d'identité, de visibilité par rapport à une culture, par rapport à une histoire. Et je crois que ce qu'on peut dire là-dedans, c'est que le sport n'a pas à se mêler ce genre d'affaires. Laissons les choses être à leur place. Et au fur et à mesure, les Réunionnais s'imprégnent de ce drapeau. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Alain? Je voulais rajouter quelque chose. Le sport n'a pas à se mêler effectivement de cette question directement. Demain, si le drapeau réunionnais est reconnu par tout le monde, eh ben, éventuellement le mouvement sportif le portera. D'autant plus que je crois que le sport a été l'élément moteur pour l'identité réunionnaise. Le fait effectivement qu'on ait des sportifs qui soient sortis. Et on voit les premières sorties, on allait au championnat de France, on était timide, etc. Aujourd'hui, nos sportifs, on a des Olympiens, on a des champions d'Europe, des champions de France, on a des grands champions, on en a un à côté de nous, Éric Murin. Donc effectivement, ça a permis de forger l'identité réunionnaise, que maintenant, demain, cette identité réunionnaise est également un drapeau pour la représenter, on ne peut être que favorable. Alors vous parlez, mon cher Alain, des Olympiens, des Réunionnais qui ont participé à des Jeux Olympiques. Eh bien, il y en aura lors de cette cérémonie d'ouverture. On le verra à l'ouvrage, on les reverra avec plaisir, puisque allez, une grosse dizaine a été choisi pour le parcours de la flamme sur ce stade. Ce sera en deuxième partie donc de la cérémonie d'ouverture. Bien présent, en tout cas, ce sont des garçons qui ont connu, qui ont vécu une carrière de haut niveau et qui, une fois cette carrière terminée, n'ont pas hésité à revenir chez eux, remettre un peu leur expérience du haut niveau au service de la jeunesse réunionnaise. Et ça aussi, c'est à féliciter. Tout à fait. L'image des Olympiens est importante pour le monde sportif réunionnais. On a évoqué des fois des tensions qu'il peut y avoir entre nos îles. Je crois que justement cette représentation des Réunionnais au jeu des îles a été constatée par moments et on s'est battu en 93. Effectivement, ça a été une période très très difficile avec des tensions au niveau du Quige, mais parce qu'on était au niveau de la Réunion très fiers de nos Olympiens, on voulait qu'ils participent au jeu des îles. Je voudrais citer Priano, je voudrais citer Sangouma, etc. On tenait à ce qu'ils participent au jeu des îles, on les a fait participer au jeu des îles. Ça a provoqué une crise, mais ça a été salutaire. Ça a permis de faire évoluer le fameux article 28 de la charte des Jeux des îles indiens. Et aujourd'hui, tout le monde accepte effectivement que nos meilleurs sportifs, que les meilleurs sportifs réunionnais participent aux Jeux des îles. Et c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Éric Murin, vous qui avez touché ce haut niveau, on le rappelle, hein, 6 fois champion de France, 2 fois champion de France junior, 4 fois champion de France senior de boxe amateur. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être un peu confronté à ces petits soucis, problèmes liés à une époque? On sait que le fameux article 28 de la charte cité par Alain Lanier avait causé quelques petits soucis à certains sportifs. Est-ce que vous avez été personnellement confronté à ce petit souci? Non, pas du tout. Les premiers Jeux en 85, j'étais à La Réunion, et en 90 j'étais en équipe de France, donc je ne peux pas me libérer. Et puis j'ai participé aux Jeux de 93, donc je n'ai pas été directement concerné, mais indirectement j'ai été concerné parce que en 93 il y a eu cette révision de cet article que vient de citer Alain Lanier, et là où on voit où le sport a pu faire évoluer afin que nos athlètes réunionnais évoluent
évoluant au plus haut niveau puisse y participer. Mais c'est vrai que c'est là aussi la magie du sport. Il y a tout un débat, il y a tout un schéma contradictoire qui se met en place, et après au fur et à mesure, ces mêmes personnes qui portent ce débat contradictoire arrivent à porter des décisions afin que le sport soit gagnant dans ce genre de problématiques des fois de personnes ou de délégations. Et pendant que le stade olympique de Saint-Paul continue à se garnir, on est toujours dans l'attente de la sortie des hautes personnalités politiques avant d'entonner l'hymne national, la Marseillaise. Alors, puisqu'on parlait justement de l'interrogation qui concernant les Comores, on va préciser, mon cher Alain Lanier, que les Comores sont candidats pour l'organisation des 10e Jeux des îles de l'océan Indien dans 4 ans. On sait qu'il y a qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, de complémentaire sur cette candidature? Est-ce qu'elle est bien avancée? À quel stade exactement? La candidature est bien avancée, d'autant plus que pour l'instant, effectivement, il y a une décision du CIJ qui a été prise et qui accorde l'organisation des 10e Jeux des îles de l'océan Indien en 2019 aux Comores. Donc, il appartient aux Comores, par rapport au dossier présenté, de faire avancer maintenant cette préparation des Jeux des îles et en particulier la question des infrastructures sportives. Nous avons eu une mission l'année dernière. Les Comores nous avaient annoncé un certain nombre de dispositions qui devraient être prises dans le courant de l'année, et donc pour août 2015, voilà, les infrastructures, on devait avoir confirmation. À ce jour, on a confirmation de la construction du stade du complexe Omnisport avec un stade d'athlétisme. Ils ont les stades de foot qui sont prêts. Ils ont une capacité d'hébergement, puisqu'on a eu une mission d'évaluation au début juillet, ils ont une capacité d'hébergement qui permet de répondre au cahier des charges mis en place pour l'organisation des Jeux des îles. Par conséquent, globalement, on peut penser que les Comores ont la capacité d'organiser les Jeux. Reste un problème qui est assez important, c'est celui de la piscine. Mais bon, ils ont des solutions. Donc on va voir comment ça évolue. La réunion du CIJ qui doit traiter de cette question n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu pendant ces Jeux, donc on en saura plus au moment de la cérémonie de clôture, puisque vous savez que c'est à ce moment-là qu'on saura effectivement à qui est transmis le drapeau pour les prochains Jeux. Et pour résumer un peu tout ça, on va dire que la volonté politique y est, mais le chantier est vaste, pour reprendre justement l'expression de Jean-François Beaulieu qui avait participé à cette dernière réunion du CIJ. Tout à fait, une très forte volonté politique. On a été reçu par Monsieur le Président de l'Union des Comores, on a été reçu par le vice-président également qui s'occupe de tout ce qui est les infrastructures. Ils ont une très bonne connaissance du dossier des Jeux des îles, et donc on sent qu'il y a vraiment une volonté, une réelle volonté d'organiser ces Jeux. Et je dirais, il y a non seulement une réelle volonté d'organiser ces Jeux de la part des Comores, mais également il y a l'ensemble des îles membres du CIJ qui sont favorables à l'organisation de ces Jeux, parce que les Jeux des îles ont été conçus effectivement pour permettre à l'ensemble des îles de disposer d'infrastructures et de se développer sur le plan sportif. Alors vous voyez à l'antenne, eh bien, une partie des gradins complètement vide. Il faut savoir que eh bien, cette partie-là, eh bien, elle est réservée justement à ces gens-là, à ces athlètes qui, une fois qu'ils auront défilé ici sur la piste d'athlétisme du stade olympique, eh bien, rejoindront ces gradins qui leur sont réservés. Je rappelle qu'ils sont près d'un peu plus de 2200 athlètes à défiler tout à l'heure et à prendre place dans ces gradins. Oui, Alain. Sauf erreur de ma part, je vois des tenues vertes et blanches. Ça ressemble aux Comores. Ils sont bien là. Ils sont bien là et on s'en réjouit encore, Éric Murat. Tout à fait, joli. Voilà donc les Comoriens, finalement, tout le monde est revenu à la raison et c'est tant mieux. Et pendant ce temps, eh bien, nos hommes politiques, ils se font quand même un peu attendre. Alors on a parlé des Comores, on va peut-être parler d'un autre point qui souvent fait parler,
Alain Lanier, normalement, la délégation de Mayotte défilera devant, sous la bannière France-Océan Indien. C'est ainsi défini dans le protocole. Tout à fait, le protocole qui a été arrêté pour cette cérémonie d'ouverture, j'ai dit, prévoit effectivement, et c'est normal, on est le pays hôte, donc la délégation de la Réunion défile en dernier. Donc on va avoir effectivement, au niveau de chaque délégation, il y aura le drapeau du pays, il y aura l'annonce du pays, puis ensuite, donc il y a la délégation du pays. Pour Mayotte et La Réunion, il va y avoir effectivement le drapeau français qui sera porté par un réunionnais. On vous dévoilera le nom tout à l'heure. Ensuite, on aura la pancarte France-Océan Indien. Et on retrouvera donc derrière la délégation mahoraise. Il y aura la pancarte Mayotte suivie de la délégation mahoraise. Puis la pancarte Réunion suivie de la délégation Réunion. Voilà, pas de souci pour cette cérémonie d'ouverture. Et on vient de le voir à l'antenne, nos personnalités politiques, Patrick Kanner, notamment le ministre des Sports français, et les gens installés. On va maintenant entendre, chers téléspectateurs, l'hymne national, à savoir la Marseillaise. Monsieur Patrick Kanner est là, bien présent, à côté du président du Quige et du préfet de La Réunion. Nous allons ensemble chanter l'hymne qui nous réunit, la Marseillaise. Tout le monde debout pour la Marseillaise. Voilà, c'était donc la Marseillaise, l'hymne national français. Et on va maintenant passer au troisième point de cette cérémonie d'ouverture. Gros temps fort également, le défilé des participants. Et à noter, comme vous me le disiez, mon cher Alain Lanier, les tribunes couvertes sont complètement pleines. La moitié du stade maintenant est noire de monde. Reste bien sûr cette partie juste en face de nous qui est réservée donc aux participants, les participants qui vont maintenant défiler délégation par délégation avec dans l'ordre bien précis, c'est les Comores. Mais juste devant ces délégations, eh bien, il y aura lui, Tibayoun. Tibayoun qui est la mascotte officielle de ces 9e Jeux des îles de l'Océan Indien. Pourquoi Tibayoun, Alain? Parce que c'est le fils de Bayoun, la mascotte des Jeux des îles de 98. Bayoun étant l'ami, le copain, le camarade, le dalon, donc symbole de la fraternité de nos îles. Tibayoun qui distribue des bisous à tout le monde, à tous les gens présents cet après-midi dans les gradins du stade olympique de Saint-Paul. Et juste derrière Tibayoun, la première délégation. Alors, elles vont défiler dans l'ordre alphabétique, mais la délégation organisatrice, ou la délégation hôte, à savoir l'équipe de La Réunion, sera celle qui défilera en dernier avec la première délégation, celle des Comores, belle et bien présente cet après-midi à cette cérémonie d'ouverture des 9e Jeux des îles de La Réunion. Les Comores. La délégation des Comores composée de 211 sportifs, les Comoriens qui participeront dans 12 disciplines sur 14. Les Comores qui ont toujours participé, Alain,
aux Jeux des Îles, c'est leur 9e participation. Ils ont toujours été présents aux Jeux des Îles. Les Comores, le CNO des Comores a été un des membres fondateurs en 1977 du Conseil international des Jeux des Îles. Ils ont toujours été très fidèles à ce grand rendez-vous de la jeunesse de Los Angeles. La délégation des Comores avec bien sûr les chefs de délégation, les chefs de mission et le porte-drapeau. Le porte-drapeau désigné, il s'appelle Jamshi Atuman, spécialiste du 800 mètres, c'est un athlète. Et il a cette particularité d'être le seul, d'avoir été le seul médaillé d'or aux Jeux des Îles 2011 aux Seychelles. Donc c'était presque une évidence de le voir cet après-midi porter le drapeau des Comores. Un garçon à suivre, Eric Murin. Jamshi Atuman. Tout à fait, il a réalisé une belle performance en 2011 et je crois qu'aujourd'hui son pays lui fait honneur de porter ce drapeau et ça prouve bien la qualité de l'athlète et ses performances qu'il réalise pendant toutes les saisons. Les Comores, on vous rappelle, candidat à l'organisation des 10e Jeux des Îles en 2019. On le disait tout à l'heure avec Alain Lanier, les intentions sont réelles, mais le chantier est vaste. Les Comoriens qui défilent dans leur tenue traditionnelle de vert et de blanc. Et à l'évidence, eh bien, les spectateurs présents ici sont très contents de les voir présents, bel et bien présents. Juste après, les Comoriens arrive la délégation de Madagascar. Les Malgaches dans leur couleur habituelle, avec bien sûr le chapeau à la paille de circonstance. Madagascar et son porte-drapeau, ils seront 225 sportifs, 50 encadrants, 39 entraîneurs, une importante délégation toujours présente. Également Madagascar à ces Jeux, hormis, vous me disiez tout à l'heure, les premiers Jeux. Hormis les premiers Jeux, 1979, vous n'étiez pas présent. Alors il est à noter sur ces 225 sportifs malgaches, une grande absente. En tout cas, la délégation malgache insiste pour la préciser. Et bien cette grande absente, c'est la judokate Ratia Risson. Et pour cause, parce que c'était une chance évidente, une grande chance de médaille pour Madagascar dans ces Jeux. Et bien Ratia Risson, qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques 2016 à Rio, et bien ne sera pas à la Rio, tout simplement parce qu'elle est blessée. Et qu'elle a fait... Elle a préféré ne pas prendre plus de risques ici, de se guérir pour être plus fort aux Jeux Olympiques 2016 à Rio. Après Madagascar, la délégation des Maldives. Le porte-drapeau des Maldives, eh bien, c'est un athlète. Il s'appelle Hassan Saïd. Les Maldives, on le disait aussi en préambule, avec une forte délégation, c'est la plus forte délégation maldivienne de tous les Jeux. Je voudrais rappeler quand même qu'en 79 également, les Maldives étaient à La Réunion, venus avec une équipe très nombreuse. Donc effectivement, 79, aujourd'hui, ce sont les plus grosses délégations des Maldives. Ils sont 145 sportifs maldiviens en tout. 145 sportifs, mais 275 personnes en tout. Et on le disait également que cette participation est importante car elle entre dans le cadre du 50e anniversaire de leur indépendance. Après les Maldives, l'île Maurice. La délégation mauricienne composée de 452 personnes. Maurice sera présente dans les 14 disciplines inscrites au programme des Jeux. On l'a vu, son porte-drapeau, c'est un grand monsieur du tennis mauricien. Il s'agit de Camille Patel. Camille Patel qui est tout heureux d'être ici, Eric et Alain, tout simplement parce que sa première participation aux Jeux, eh bien, c'était en 1998 à La Réunion. Et il avait, si je ne m'abuse, décroché la médaille d'or en simple homme. Camille Patel,
alors qu'il a la particularité, bon, il a 36 ans, qui a la particularité, il est le président de la Fédération mauricienne de tennis, et quand bien même, eu égard à son immense palmarès, il a été désigné porte-drapeau du club M. Maurice. Effectivement, que Maurice, comme traditionnellement, a une très forte délégation. Et quels que soient les jeux, on a les grosses délégations, Maurice, La Réunion, Seychelles. Et selon les éditions, Madagascar, ce sont les grosses délégations de ces Jeux des Îles. Et Maurice, vous connaissez bien, car dans cette délégation mauricienne, il vient de solides boxeurs, mon cher Eric Murin. Oui, c'est une délégation qui arrive avec des grosses équipes, notamment l'équipe des boxeurs. Il faut savoir que ces boxeurs évoluent sur le continent africain, qui sont déjà en préparation dans les perspectives des Jeux de 2016, Jeux Olympiques. C'est des boxeurs qui jusqu'à présent ont su ramener des médailles pour la grande délégation mauricienne, et il faudra encore sur ce 9e jeu contre ce régime. Voilà la grande délégation mauricienne, on le disait, 452 personnes en tout, emmenées par leur porte-drapeau Camille Patel. Après les Mauriciens, place à la délégation des Seychelles. Les Seychelles qui avaient organisé les 8e Jeux il y a de cela 4 ans, ils seront au nombre de 250 sportifs et ils seront présents dans les 14 disciplines de ces 9e Jeux. Le porte-drapeau, vous le connaissez bien mon cher Yves Murin, il s'appelle Hendrik Alissop et c'est un jeune champion très prometteur de boxe, on l'appelle d'ailleurs dans son pays, le petit Mike Tyson. Tout à fait, j'ai eu l'occasion de le suivre à travers les médias. C'est vrai que c'est un jeune très promoteur, il n'a que 20 ans, champion d'Afrique l'année dernière, 2014. Je crois que ces Jeux, pour lui, c'est un rendez-vous très important. Ça va lui permettre de prendre ses marques peut-être pour les Jeux Olympiques, s'il est qualifié l'année prochaine. Hormis ce boxeur, la délégation Seychelloise nous a toujours fourni des boxeurs de grande qualité. Et depuis 1979 jusqu'à présent, ils ont toujours su se hisser au sein des podiums. Et c'est vraiment que c'est vraiment une sélection de boxeurs qui évoluent aussi comme les Mauriciens sur le continent africain et qui sont là dans les grands rendez-vous. Et ces rendez-vous des Jeux des Îles, ce n'est pas seulement une compétition pour eux, c'est vraiment une finalité, un objectif inscrit dans un calendrier. Les Seychellois, très fort en boxe, très fort également en haltérophilie. Et on peut le dire, mon cher Alain Lanier, que les Seychellois nous avaient quand même organisé de très très bons jeux en 2011. Oui, alors tout à fait. En 2011, ça a été une organisation spéciale qui a été très très, très réussie, avec une population enthousiaste et derrière ces équipes. Résonne encore dans ma tête, c'est celle. On a vécu ça pendant des journées et des journées. Et sur le plan des résultats sportifs, ils avaient été très 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 forts, puisque je rappelle qu'on avait gagné les Jeux avec une différence d'une médaille d'or. Cela s'était joué lors de la dernière journée des Jeux. Un marathon. Inespéré qu'un Réunionnais gagne un marathon. Et oui, on va le citer ce Réunionnais. C'est François Lebon qui amènera la 58e médaille d'or à La Réunion et qui fera gagner donc au tableau de médailles La Réunion. Et maintenant, l'entrée sur le stade de La Réunion, de la délégation France-Océan Indien, pour reprendre le terme officiel, avec comme porte-drapeau de La Réunion, on l'a vu, Mathieu Daffreville, le judoka. Oui, la désignation de ce porte-drapeau n'a souffert d'aucune contestation au sein de la délégation Réunion. Ça a été l'unanimité pour qu'il porte nos couleurs, effectivement. Regardez, Mathieu Daffreville, juste derrière, France-Océan Indien et Mayotte. Le club en Réunion et la délégation de Mayotte côte à côte, donc en temps juste l'une devant l'autre. Le club Réunion, on le rappelle, hein, 316 sportifs. Alors que Mayotte, eh bien, en
sera à 181. Les Maoris, 181 en tout, avec leur porte-drapeau. Je ne sais pas si on l'a vu, mais un garçon très connu également à La Réunion, puisqu'il s'agit d'Ali Soultouani, le lanceur de javelot, et qui sera une chance sûre de médaille peut-être pour Mayotte. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on a bien vu que ça va être un candidat pour le podium, voire même pour viser cette médaille d'or. Mais je crois qu'on peut s'arrêter à tout un petit instant sur le grand Mathieu qui est notre porte-drapeau, qui a réalisé une carrière internationale exemplaire et qui aujourd'hui nous revient pour disputer cette compétition. Je crois que c'était le sportif idéal, plein d'humilité, avec un charisme naturel, un meneur d'hommes qui aujourd'hui nous fait le plaisir d'être le porte-drapeau de cette délégation réunionnaise. Tout à fait, Mathieu Daffreville, porte-drapeau de cette formidable délégation réunionnaise qu'on voit à l'antenne avec Véronique Lagour qui est le responsable du club M, Natacha Bénard qui a été médaillée d'or, on se rappelle, en judo au jeu 2011 de Seychelles. Voilà la délégation en bleu, blanc, rouge, la délégation de La Réunion, on l'appelle, hein, 316 sportifs, 168 hommes et 148 femmes. Johnny, oui Valérie. Oui Johnny, eh bien écoutez, il y a du mouvement du côté de la délégation comorienne, puisque cette délégation qui avait accepté de défiler aujourd'hui, hein, après toutes les polémiques, il y a eu tous les rebondissements, eh bien la délégation envisage de faire marche arrière, de rentrer à la maison. Pourquoi ? Eh bien parce que Mayotte défile sous la bannière France-Océan-Indien. Drapeau bleu-blanc-rouge, ils ne sont pas d'accord. Donc vous le voyez, il y a du mouvement. Le porte-drapeau a fait marche arrière, donc il s'est reculé. Ils sont en train de discuter, en train de faire le point, de réfléchir. C'est une situation à surveiller. Je vais me rapprocher de cette délégation comorienne pour voir ce qu'il en est. Merci, merci Valérie. Information importante, et on le voit à l'image, effectivement, pendant que les autres délégations font face à la tribune officielle. Eh bien, on va demander à notre réalisateur Patrick Waraud de rester figé sur cette image. On les voit, hein, les Comoriens qui sont ensemble. Ils tournent le dos pour l'instant à la tribune officielle. Alors on était très heureux tout à l'heure, Alain, de les voir défiler. Et regardez, attendez mon cher Alain, on les voit maintenant repartir. Patrick Waraud, on les voit défiler là. C'est nos amis. C'est très triste de voir effectivement cette équipe. La voilà cette image. Pendant que les autres délégations continuent à défiler, on voit les Comoriens dans leur tenue blanche et verte, eh bien quitter le stade pour partir. Valérie disait tout à l'heure qu'ils allaient. On ne sait pas repartir au village, mais il serait bon, ma chère Valérie, d'avoir au moins une explication sur le comportement de la délégation comorienne. C'est une image triste qu'on n'aurait pas aimé voir cet après-midi. Mais voilà, pendant que certaines délégations défilent, il y en a une autre qui repart. Oui, image très triste de voir les Comores quitter cette cérémonie d'ouverture. Est-ce que cela laisse présager qu'ils ne vont pas participer au jeu? Ce serait la conséquence logique de la décision d'aujourd'hui. Décision qu'on a du mal à comprendre. Il semblerait qu'au niveau diplomatique, le travail avait été fait. On le pensait. La présentation du déroulé de la cérémonie d'ouverture a été faite en réunion du CLIJ. C'est au cours de deux réunions du CLIJ, cela a été proposé. On a rencontré les autorités comoriennes. Les Comoriens qui comprennent pas qu'ils quittent le stade aujourd'hui au niveau de la cérémonie d'ouverture, d'autant qu'ils se sont présentés. Donc on est très très surpris, puisqu'ils savaient très bien quel était effectivement l'ordre des choses retenu pour cette cérémonie d'ouverture et le défilé de la délégation France-Océan-Indien. Et pendant que les Comoriens s'en vont, eh bien, les athlètes réunionnais, eux, continuent d'avancer jusqu'à la tribune officielle pour à la fois saluer les spectateurs, leurs supporters, mais également les personnalités politiques, alors que ça se confirme. Hein. La caméra de les Comoriens quittent le stade avant la suite de cette cérémonie d'ouverture. On va essayer d'avoir une explication. La logique, on imagine que cela n'est pas évident, mais on va essayer d'avoir avec Valérie Fillet une explication sur ce départ.
Est-ce qu'on peut avoir une vue sur la tribune officielle? Est-ce que les officiels comoriens également quittent ou restent avec nous? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Valérie, allez-y. Valérie. Voilà, je vais essayer de recueillir une réaction en direct, réaction de ces athlètes comoriens. Nous avons le chef de mission qui est ici avec nous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter ce stade? S'il vous plaît. Pour des raisons techniques, nous allons nous déplacer, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes en direct sur Réunion Première. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter ce stade. On quitte le stade parce qu'il y a des règles qui nous rassemblent là. Et le Mayotte, depuis sa participation, doit amener le drapeau des Jeux. Aujourd'hui, il amène avec un drapeau français. Il vient avec un drapeau français, alors que les règles ne sont pas changées. On n'a pas changé les règles. Est-ce que cela veut dire que les Comores ne participeront pas du tout à ces Jeux des îles? Pour l'instant, on ne participe pas, ne serait-ce qu'avec ça. On ne peut pas voir ça. Si on respecte les règles, parce que avec le football, il y a des règles. On ne joue pas au sauvage, il y a des règles de foot, de basket. Donc là, avec ça, on ne l'a pas discuté en réunion de CUI. On n'a pas validé ça. Pour l'instant, c'est une décision qui fait l'unanimité au sein de votre délégation. Oui, c'est à l'unanimité au sein de notre délégation. On a le président du CNI. Nous avons... Bonjour monsieur. Oui. Vous rappelez les athlètes. Ah, on monsieur, va vous êtes en direct sur Réunion Première. Nous diffusons cette cérémonie d'ouverture en direct. Je vais vous demander votre nom, votre fonction et votre réaction. Ben, je suis Ibrahim Ben Ali, président du Comité olympique des Comores. Pourquoi est-ce que vos athlètes ont décidé de partir? Le chef de mission de la délégation comorienne vient de nous l'expliquer. C'est à cause de ce drapeau France-Océan Indien, bannière sous laquelle défile Mayotte aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec cela? C'est-à-dire que normalement, selon la charte des Jeux et selon les règlements intérieurs, l'île de Mayotte devait défiler avec le drapeau des Jeux. Je regrette que les athlètes aient été si vifs et si spontanés, mais cette organisation est un petit peu surprenante. Est-ce que vous allez demander à vos athlètes de revenir? Je vais leur demander de revenir. Donc il est possible qu'ils reviennent dans quelques minutes sur ce stade? Je vais le voir parce qu'ils ont connu beaucoup de problèmes depuis le début, notamment le problème de visa qu'on vient de régler. Et c'est dommage que l'organisation n'ait pas voulu tenir compte du fait que nous avons des textes réglementaires, c'est du sport, c'est pas de la politique. Donc je regrette profondément parce qu'on aurait pu éviter cela. Pour vous, le responsable aujourd'hui, c'est donc? C'est l'organisation. L'organisation devrait respecter le cadre juridique des Jeux. Les Jeux sont gérés, non pas par la politique, même si les Jeux ont lieu à La Réunion. Les Jeux sont gérés par la charte des Jeux et par un règlement intérieur. Et pour le règlement intérieur, Mayotte doit défiler avec le drapeau des Jeux. C'est donc une situation, Johnny. Voilà, vous avez entendu toutes ces réactions. Merci, messieurs, pour ces précisions. Nous allons suivre cette situation de près, vous l'avez entendu. Ils vont aller voir les athlètes comoriens. Ils vont s'entretenir ensemble. Ils vont prendre une décision. C'est donc le suspense. Est-ce que les Comores vont revenir sur ce stade olympique de Saint-Paul et participer aux Jeux? Nous ne pouvons pas participer. C'est ce qu'on a entendu il y a quelques minutes. En attendant, la cérémonie d'ouverture continue. Merci beaucoup, Valérie. En tout cas, on a entendu quand même, mon cher Alain Lanier, deux sons différents. Un chef de mission qui, lui, était pour que les athlètes comoriens partent. Et puis, M. Ben Ali qui va aller essayer de les convaincre de revenir. Ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être pas eu vraiment discussion. Tout à fait, effectivement. La cérémonie d'ouverture... Peut-être que ça n'a pas été étudié suffisamment, parce que le résultat est là, ça n'a sûrement pas été étudié avec assez d'attention au niveau de la réunion du Quiche. Monsieur Ben Ali siège au Quiche, il a eu donc le document, donc il savait très bien effectivement comment se déroulait la cérémonie. Le chef de délégation, le chef de mission des Comores, effectivement,
a fait part de la réaction des athlètes qui ont tourné le dos tout de suite, qui sont partis. Il va y avoir sûrement des discussions entre les officiels comoriens avec l'ensemble de leur délégation. Ce que je souhaite effectivement, c'est s'il le faut, qu'il y ait une réunion du Quige, peut-être d'urgence dès ce soir pour recaler peut-être un certain nombre de choses, et que cette cérémonie d'ouverture, que nos amis comoriens nous rejoignent, qu'on fasse la fête ensemble. Et puis après, on verra pour régler le problème. Cela nous attriste, mais restons positifs, restons sur cette belle image quand même des autres athlètes qui défilent avec, en ce moment, les athlètes réunionnais, qui passent devant nous, devant la tribune officielle, avec ici, on reconnaît les athlètes du sport adapté. Tout heureux, monsieur Ramesh Bhan, arbitre de tennis très très connu, pour participer souvent donc à Roland Garros. Voilà, il y a quand même de la joie dans les rangs des sportifs réunionnais, mon cher Yves Murin. On va retenir ça pour l'instant, même si ça nous attriste, ce qui s'est passé avec les Comoriens. Écoutez, c'est toujours une situation qui attriste énormément de gens. Il y a quand même un bon nombre de Réunionnais qui se sont déplacés pour voir l'ouverture de chez eux. Après aussi, on comprend la réaction un peu peut-être brusque des Comoriens. Le chef de la délégation a essayé de nous rassurer. Maintenant, il va y avoir un travail de son côté pour essayer de ramener les athlètes. Mais cela ne veut pas dire, Johnny, que ces athlètes ne participeraient pas aux compétitions. Maintenant, c'est aux dirigeants de cette délégation d'aller discuter avec ces athlètes pour voir, parce que peut-être c'était quelque chose qui était un peu décidé à chaud, avec des émotions. Mais avec toute l'histoire qui y a derrière, on a du mal à voir le jour J une délégation qui quitte le stade. Voilà, c'est bien triste, mais j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Alors on voit ici la tribune officielle à la Lanier. Est-ce que... Alors, on va voir si le représentant comorien est non, encore là. Non, je pense pas. Alors, je ne vois pas le... Pour l'instant, je vois les Mauriciens. Je ne vois pas s'il y a le ministre, je ne vois pas s'il y a le ministre comorien. En tout cas, les autorités officielles sportives, elles ont quitté. Elles sont avec leur délégation, elles sont en train de discuter. Donc on va voir comment tout ça évolue. Mais il ne m'a pas semblé apercevoir Monsieur Atoumani, Atoumani Ali, le président. Je reconnais que je ne vois pas très bien sur l'écran. Alors, ce qui est certain, c'est que Monsieur Ben Ali, qui est également dans cette tribune officielle, est descendu pour essayer de... Président du CNO, il nous a fait savoir qu'il rejoignait sa délégation pour essayer de la convaincre de revenir sur le stade. Le CNO, Comité National Olympique. C'est un très beau geste de la part des Comoriens. Et pendant ce temps, la délégation réunionnaise continue de passer ici devant nous, devant la tribune officielle. On le rappelle, Club Réunion... fort de 409 personnes, sportifs, encadrants, entraîneurs, staff médical compris. Là, ce sont les volleyeurs avec Emmanuel Germer qui passe. Rivo, l'entraîneur de cette sélection de la Réunion. Les volleyeurs très attendus d'ailleurs. Ils sont très revanchards par rapport à 2011. De manière générale, les volleyeurs, mais il y a aussi les volleyeuses. Et oui, il y a les volleyeuses également. Et on va citer également les deux nouveaux sports, les deux sports qui font leur apparition. Elles concernent également les femmes, à savoir le handball féminin et le foot féminin. Vous parlez des volleyeuses, et bien les voilà. Et on va garder quand même un œil vers la porte par où... sont entrés et puis sont partis les Comoriens pour voir s'il y a un retour des sportifs comoriens, alors que les autres délégations prennent place sur la pelouse du stade olympique de Saint-Paul avant la prochaine étape de cette cérémonie protocolaire, à savoir l'arrivée du drapeau des Jeux.
Oui, Eric Murat. Oui, je crois qu'il c'est à noter aussi que vous avez quand même un grand nombre d'athlètes qui ne souhaitent pas participer à ce genre de défilé, parce que c'est des sportifs qui rentrent directement demain pour en compétition. Et c'est pour eux un moment, je dirais, un moment de fête, un moment de fraternel, mais c'est aussi un moment où on rentre avec beaucoup de fatigue. Il y a la notion de récupération qui rentre en compte. Et je crois que dans cette délégation, il y a quand même des sportifs qui ne sont pas présents parce qu'ils ont choisi de rester au village pour essayer de se reposer parce qu'ils partent en compétition dès demain. Quoi. Et alors, oui, Alain Vanier, vous voulez rajouter quelque plaisir. Chose. Je viens d'apercevoir aussi à distance, je suis sûr que ça va faire plaisir aussi à Eric Murat, une grande dame du sport réunionnais, Jessie Ferrer. Oui, tout à fait. Elle est là, elle est présente, elle a une carrière aussi exemplaire sur le plan, mais elle a une carrière de leader également au niveau du mouvement sportif réunionnais, et Eric l'a très bien connu. Multiple médaillé même au Jeu des Îles, Jessie Ferrer. Oui, c'est l'athlète, c'est la grande réunionnaise qui est toujours présente dans ces grands événements, toujours, je dirais, armée de motivation pour accompagner les générations futures. Et à ces jeux, elle est toujours là. Toutes les délégations, hormis les Comores, bien sûr, sont désormais installées face à la tribune officielle en ordre bien rangé. Les Seychellois, les Maldiviens, les Malgaches, pardon, les Réunionnais, les Mahorais. Quand tu parles d'un ordre bien rangé, c'est un ordre sportif bien rangé. Hein. Je Merci crois effectivement, on sent quand même l'enthousiasme qu'il y a parmi toute cette jeunesse. Alors après, ce qui compte effectivement, c'est d'être tous ensemble et de faire la fête. Alors maintenant, ils sont tous en place. Face au public, face à la tribune officielle, la prochaine étape, eh bien, ce sera l'arrivée du drapeau des Jeux. De long mois, mesdames, messieurs, le président du COJI, monsieur... Mais d'abord, il y aura d'abord l'ouverture des Jeux. Voilà, j'ai sauté une étape avec... D'abord, on va arriver à la partie vraiment protocolaire avec notamment les discours et bien sûr l'ouverture officielle des Jeux. Et ce sera... alors bien sûr, il y aura Thierry Grimaud en tant que président du comité d'organisation des Jeux des Îles. Il y aura le président du CIJ, du Conseil international des Jeux. Le Mauricien, monsieur Hachen. Également. Qui est donc le président du CIJ. Et voilà ces messieurs qui descendent. Thierry Grimaud et Philippe Aotinvoun, président du Conseil international des Jeux. Ils vont tour à tour prendre la parole. Patrick Kanner, le ministre des Sports français, descend également sur l'estrade dressée à cet honneur. Et c'est d'abord Thierry Grimaud, le président du comité d'organisation des Jeux, qui prend la parole. On l'écoute. Monsieur le préfet, Monsieur le ministre étranger, Madame et Monsieur les députés, Monsieur les sénateurs, Monsieur le président du Conseil régional, Madame la présidente du Conseil départemental, Monsieur le président du CIJ, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, départementaux et communaux, Mesdames et Messieurs les présidents de Ligue, Mesdames, Messieurs, à vous tous, sportifs et publics. Amis des Maldives, des Comores, des Seychelles, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, La Réunion est fière de vous accueillir pour ces 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Welcome à toutes. Ce grand rassemblement de la jeunesse de l'océan Indien se tient pour la troisième fois à La Réunion, après les éditions de 1979 et de 1998, des Jeux portés par plus de 3000 personnes. Pendant ces 12 jours, nous avons un grand espoir que ces rencontres sportives se vivent humainement, qu'elles apportent joie et satisfaction,
qu'elles permettent d'aller vers plus d'humanité, de reconnaissance et d'amour entre les peuples et sociétés de cette grande région de l'océan Indien. Partageons nos cultures et vivons ces prochains jours en toute fraternité. Que vivre nos gymnases, que nos pelouses rassemblent pour un plaisir commun dans la solidarité autant que la convivialité. Depuis plus de 4 ans, le comité d'organisation n'a pas ménagé son temps pour préparer ce grand événement afin que chacune et chacun puisse être dans les meilleures conditions pour aller à son meilleur niveau. Les athlètes, les juges et les entraîneurs qui vont dans un instant prêter serment au nom de toutes et tous n'ont qu'un engagement. Faire que les valeurs de l'Olympisme triomphent en toutes circonstances. Profitons de ces rencontres pour vivre libérés, pour aller vers un horizon ouvert dans lequel celui ou seul que l'on nomme autre a toute sa place, est connu et reconnu. C'est ainsi que la jeunesse qui va regarder ces Jeux transformera ce regard en admiration, chacune et chacun ayant une place dans ces Jeux. Une juste place, une vraie place. Vivre ensemble ces Jeux est un des plus beaux objectifs, ce qui n'enlève rien aux exploits que vous allez, vous sportives et sportifs, que nous vous souhaitons d'accomplir. Par ces exploits, ces performances, tout comme votre simple participation, vous êtes les porteuses et les porteurs d'un idéal. Faire que la pratique sportive aide l'humain à être grand, une pratique éducative et citoyenne. Point de miracle dans tout ça, mais une volonté de vivre les passions, celles qui enrichissent. J'invite, en ma qualité de président de l'organisation de ces 9e Jeux des Îles, l'ensemble de la société réunionnaise à faire battre le cœur de ces Jeux par son soutien, ses encouragements, sa présence envers toutes les sportives et tous les sportifs présents. La Réunion sera ainsi marquée par ce grand événement et le marquera par sa reconnaissance envers toutes et tous, laissant ainsi une marque indélébile lorsque dans quelques années, ces Jeux reviendront ici après un tour d'océan. Mesdames et messieurs les officiels, mesdames et messieurs les 2300 membres de l'ensemble des délégations, chers amis bénévoles, partenaires engagés dans cette aventure, chères réunionnaises et réunionnais, vous, amis, invités, vivons ce moment avec force, vivons-le avec vigueur, avec entrain, en sachant que ce qui nous réunit ici en ces jours de fête sportive a pour nom la richesse humaine. Prise dans sa diversité, la fête sera belle avec vous par votre ferveur. Allons ensemble pique-niquer, nos amis des îles, dans le van, à Quimplat chinois, malbars, arabes, caves, oreilles, enfin allons manger créole. C'est cela la Réunion. Ces Jeux vont être beaux car ils vont être ce que vous tous et toutes, vous allez savoir en faire. Belle rencontre à vous, belle compétition avec courage et engagement. En bref, tout ce que le sport permet dans le respect de chacun et chacune doivent avoir à tous et toutes. Que vive le sport et l'amitié entre tous et toutes. Alors, ensemble, allons faire la fête. Allons faire la fête de la fraternité. Merci. Voilà, c'était le discours de Thierry Grimaud, le président du comité d'organisation des Jeux. Il en a appelé à la fraternité, au vivre ensemble ces Jeux. Et il a terminé avec le slogan de ces Jeux, ensemble, allons faire la fête. Et maintenant, le discours du président du Conseil international des Jeux, président du CIJ. Monsieur le ministre des Sports, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, chers amis réunionnais, chers athlètes, officiels, volontaires, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, nous voici réunis pour notre grande manifestation qui est le Jeu des îles de l'océan Indien.
Pendant ces 9 jours, plus de 20 millions d'habitants de nos îles participants, les Comores, Maldives, Mayotte, La Réunion, Madagascar, l'île Maurice et Seychelles suivront avec beaucoup d'émotion et d'engouement. Cette grande manifestation sportive, unie dans un même rêve, nous formons le souhait que ces Jeux des îles nous apportent joie, l'espoir et fierté. Chers athlètes, le Jeu des îles de l'océan Indien, c'est comme le Jeu olympique à nous. Ces Jeux vous appartiennent, qu'ils soient vos Jeux. En ce jeu, vous a, au-delà du simple performance, le Jeu des îles de l'océan Indien sont le rassemblement pacifique de nos 7 îles, quelle que soit la appartenance ethnique, sexe et religion. Que les valeurs olympiques qui sont excellence, l'amitié et le respect soient primeurs tout le long de ce jeu. Chers athlètes, que vous soyez des modèles pour la jeunesse de notre région. Dites non au dopage et à la tricherie. Rendez-vous fiers de vos exploits et de votre comportement. Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement le COJI, le comité d'organisation de la Réunion, pour son travail magnifique. Tous nos remerciements vont également aux milliers de volontaires dévoués sans qui rien ne serait possible. Que Tibayoun nous fasse vibrer, que le fair play règne. Vive le sport! Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, Philippe. C'était le discours de monsieur Philippe Aotinvoun, le président du Conseil international des Jeux. Et maintenant, c'est à Patrick Kanner, le ministre des Sports français, de prendre la parole. Et juste après, il proclamera l'ouverture de ces Jeux. Mais pour l'instant, le discours du ministre français, Patrick Kanner. Monsieur le préfet de région, mes chers collègues ministres en charge du sport des îles de l'océan Indien, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet de région, monsieur le président de région, madame la présidente du conseil départemental, messieurs les maires de l'île de la Réunion et en particulier monsieur le maire de Saint-Paul, ici au cœur de l'océan Indien aujourd'hui, monsieur le président du COJI, monsieur le président du CIJ, mesdames et messieurs, tous les organisateurs et organisatrices de ces Jeux des îles de l'océan Indien, monsieur le représentant du Comité national olympique et sportif français, mesdames et messieurs, chers amis, chers sportifs, tout d'abord, permettez-moi de dire toute ma fierté d'être présent ici pour l'ouverture de ces 9e Jeux des îles de l'océan Indien. C'est un retour aux sources, donc, puisque la Réunion avait accueilli la première édition en 1979, qui d'ailleurs avait trouvé un élan dans le discours du président de la République de l'époque, ici même sur l'île de la Réunion, qui accueillera pendant 9 jours 1 500 athlètes et près de 1 000 accompagnants. Nous mesurons aujourd'hui le chemin parcouru, puisque ces Jeux sont devenus un événement majeur du sport dans l'océan Indien. Je suis certain que cette édition sera un succès, avec des sportifs qui se dépasseront, qui iront chercher la performance et l'exploit, toujours dans le respect des autres participants et de tous les acteurs de cette compétition, et en respectant l'éthique et les valeurs du sport qui viennent d'être rappelées à l'instant même. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un immense plaisir, mais surtout avec un immense honneur, que je proclame l'ouverture des 9e Jeux des îles de l'océan Indien, que la fraternité
et la sportivité unissent tous les sportifs des pays de l'océan Indien. Vive les 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Le ministre des Sports français qui lui ne doute pas du succès sportif de ces 9e Jeux, qui a parlé de retour aux sources. Et juste avant, eh bien, le président du CIJ avait tenu à saluer le formidable travail de l'équipe organisatrice réunionnaise autour de Thierry Grimaud. Voilà pour les discours. Prochaine étape, l'arrivée du drapeau des Jeux des îles. Pour applaudir très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît. Et de l'autre côté du stade, le drapeau des Jeux des îles qui s'apprête, qui va faire son entrée dans le stade. Il y a maintenant 36 ans, et c'est toujours le même, avec, vous voyez, des anneaux qui représentent évidemment les continents, les différents continents dont nous sommes tous issus. Donc nous sommes issus des îles de l'océan Indien. Et ce drapeau avec J-O-I, Jeux des îles de l'océan Indien, évidemment, donc très reconnaissable. C'est le même drapeau depuis 36 ans. Encore le drapeau des Jeux qui sera déployé horizontalement avec J-I-O-I, Jeux des îles de l'océan Indien. Encore une symbolique donc dans cette cérémonie d'ouverture, Eric Murat. Oui, je crois que le discours de Thierry Grimaud a été de grandeur. Ça a été vraiment un moment très fort qui marque cette grande fête, cette fraternité. Je pense qu'il a dû être au courant la petite courbature qui s'est passée avec le départ de la délégation comorienne. Et je crois que M. Thierry Grimaud nous a vraiment repositionné cet idéal qui est né dans l'océan Indien, qui est ce Jeux des îles. Et à travers son discours, on voit bien que c'est, avant même que ce soit un rendez-vous sportif, c'est un rendez-vous avant tout fraternel, où l'unité reste entier à travers les frères et sœurs de l'océan Indien. C'est vraiment un grand discours. C'est tout à son honneur. On a entendu cet appel à la fraternité, à la sportivité. Et le drapeau des Jeux qui fait son entrée sur le stade olympique de Saint-Paul. Alors un drapeau, on vous le disait, déployé horizontalement et porté par 8 athlètes réunionnais. Et on a respecté la parité puisqu'il y a 4 filles, 4 garçons. 8 athlètes choisis par leur père. Comme les délégations, eh bien, ils vont faire tout le tour du stade. On va vous les citer, eh bien, ces porteurs de drapeaux. Ce sont pour la plupart des jeunes champions réunionnais très prometteurs et d'autres expérimentés. Alors juste devant vous, vous avez Esther Turpin, l'athlète. Stéphane Nativel, athlète également. Sébastien Maillot, champion de tennis de table. Et Eric Dagar, boxeur, champion de France. On le rappelle aussi, Eric Dagar, et qui... sera l'une de nos chances de médaille à ces Jeux. Porte également ce drapeau Larissa Saint-Jacques, triple médaillée d'or en haltérophilie en 2011 aux Seychelles. Sébastien Maillot, on l'a cité. Il y a Mathis Guessard qui représente la voile. Mais également, eh bien, une grande dame du volleyball français. On va le voir tout à l'heure. C'est Myriam Kloster. Eric Dagar ici à l'écran. Les porteurs du drapeau avec Eric Dagar qui a brandi le poing en l'air. Sébastien Maillot à ses côtés, Esther Turpin et Stéphane Nativel. Et juste derrière, donc, je vous le disais, Larissa Saint-Jacques, Myriam Kloster, Sylvie Clapier, la judocate. Drapeau des Jeux. Et Mathis Guessard pour la voile. Et oui, tous des champions réputés, chacun dans leur discipline. Et bien sûr, des garçons et des femmes dont on attend beaucoup dans ces 9e Jeux des îles. Chacun, chacune, dans sa discipline respective. Allez, Stéphane Nativel qui est l'un des athlètes expérimentés, quelques Jeux des îles également à son actif, médaillé d'or également aux Jeux 2011 aux Seychelles.
Et ce drapeau, une fois arrivé devant la tribune officielle, eh bien, va être levé et placé donc devant les mâts pour être hissé au son de l'hymne des Jeux. Drapeau maintenant, qui vont soulever pour la tribune officielle. C'est une image extraordinaire. On va s'arrêter un petit instant. On va montrer ce drapeau, s'il vous plaît, nous sommes fiers de vous. Le drapeau des Jeux récupéré par la Réunion il y a tout cela 4 ans au stade de l'Unité à la fin des Jeux des Îles 2011. Un drapeau qui sera tout à l'heure hissé ici au stade olympique de Saint-Paul avant peut-être, mon cher Alain, être transmis aux Comoriens, on ne le sait pas, mais bon. Tout ça pour vous rappeler que les Comoriens qui ne sont plus avec nous, eh bien, ont fait acte de candidature pour organiser les 10e Jeux des Îles de l'Océan Indien. Là aussi, c'est une belle symbolique, à savoir le drapeau des Jeux porté par des sportifs réputés, parce qu'on a tenu connus qui excellent dans leur discipline. On a tenu également à mettre en avant eh bien, ces sportifs qui habituellement, qui aux quatre coins de la France et du monde, eh bien, portent haut l'étendard du sport français, Alain. Du sport réunionnais, pardon. Tout à fait, ils portent haut l'étendard du sport réunionnais. Ils sont fiers de porter nos couleurs. Et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, je voudrais le rappeler, ils ont été choisis par leur père, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus par le club Réunion pour leurs valeurs et pour leur niveau de compétition, mais également donc toutes les valeurs morales et toutes les valeurs de fraternité, de solidarité, tout ce qu'a pu évoquer le président du COJI lors de son discours. On les retrouve par la représentation de ces quatre athlètes qui sont vraiment au niveau du club Réunion des exemples. Et Éric Dagard, le boxeur, rentre parfaitement dans ce registre-là, Éric Murat. Tout à fait. Éric Dagard qui est aujourd'hui l'ancien de cette sélection de la Réunion et qui, bien sûr, est prétendant pour une médaille et j'espère la médaille d'or. Et c'est vraiment un sportif très humble hein, qui a su construire son parcours et qui aujourd'hui prend tout doucement les marques en tant qu'éducateur, entraîneur, et qui j'espère va continuer à boxer et surtout former d'autres sportifs après lui. Et c'est vrai que ce sont des garçons qui ont été choisis par rapport à leurs valeurs, à leur parcours, à leur humilité, à leur, comme disait Alain Lanier, et on a besoin de ces modèles de jeunes, de sportifs. Et on parlait également d'une grande dame dans ce groupe-là. Cette grande dame, eh bien, c'est Myriam Kloster. Elle est juste derrière, deuxième en partant de la gauche. Alors, il faut savoir que Myriam Kloster, elle a été quand même élue meilleure volleyeuse du championnat de France de volleyball pro. Hein, qu'elle a gagné la Coupe de France et qu'elle a quand même tenu à être à ces Jeux malgré son parcours et sa carrière au plus haut niveau, Alain. Au plus haut niveau, mais... Je voudrais dire, cet exemple qui est donné par le volleyball nous a déjà été donné par une grande dame du volleyball. Je voudrais rappeler le souvenir. Elle n'est pas là avec nous, mais elle est là dans l'équipe Réunion, mais elle est avec nous à ces Jeux. C'est Lucie Bavedin qui a été la première sélectionnée réunionnaise, membre d'une équipe de France de sport garçons-filles confondus, donc, et qui a joué un rôle très important dans l'équipe française de volleyball. Et aujourd'hui, effectivement, la succession est là avec Myriam Kloster, qui est également qui a été à un moment la meilleure joueuse de volleyball de l'équipe nationale française. Tout à fait. Ex-capitaine également de l'équipe de France. Et il faut rappeler que Myriam Kloster avait participé aux Jeux des Îles 2003. Elle avait 14 ou 16 ans, si je ne m'abuse. C'était la plus jeune sportive de l'ensemble des athlètes présents à Maurice. Et bien 12 ans après, on la retrouve ici à La Réunion pour ses 9e Jeux des Îles, le Saint-Dié. Ça aussi, c'est un très très beau clin d'œil, que dire de Larissa Saint-Jacques, hein, on le disait tout à l'heure, triple médaillée d'or en haltérophilie, championne de France également, un nouveau titre décroché il y a de cela 2 mois
si je ne m'abuse. Et puis, bien sûr, la relève, Mathis Guessard, Sylvie Clapier, la judokate ou encore Esther Turpin. Tout à fait, je voudrais dire au niveau de l'haltérophilie également, je trouve que c'est très représentatif que l'haltérophilie soit présente pour porter ce drapeau. C'est également l'haltérophilie française a été très bien représentée par nos haltérophiles et entre autres donc par Sabrina Richard qui a été la première haltérophile qualifiée française. Ah oui, je parle pas que la française qualifiée pour les Jeux Olympiques, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Eh oui, c'était aux Jeux Olympiques 2000 à Sydney, c'était la première fois que l'haltérophilie féminine apparaissait aux Jeux Olympiques. La France avait droit à une seule athlète et ça a été Sabrina Richard qui avait été choisie pour être cette représentante française. On a chez nous, Eric Murin, des sportifs formidables. Oui, on a des sportifs formidables, on a des sportifs qui fait briller la Réunion au plus haut niveau. Pour revenir sur l'haltérophilie, je crois qu'à chaque Jeu des îles, c'est une discipline qui emmène son lot de médailles pour la Réunion et qui ne le démérite pas. Et c'est vrai que ça fait partie de toute une discipline qui forme énormément de jeunes athlètes. Alors que résonne dans l'air Saint-Paulois l'hymne de ces Jeux en même temps et qui accompagne cet hymne, qui accompagne le drapeau des Jeux vers son mât, là où il sera hissé et dans le ciel Saint-Paulois. Alors un mot sur cet hymne, mon cher Alain Lanier, composé par une dame qui s'appelle Fanny Prix. Dites-nous le reste. Ben, j'ai pas grand chose à vous dire, effectivement. Bon, c'est l'hymne des Jeux, vous l'avez reconnu. C'est une petite musique très entraînante qui effectivement reste gravée dans les têtes et que vous allez entendre pendant 10 jours tout au long des compétitions, mais également, je suppose, tout au long des reportages qu'on aura sur Réunion Première. On va l'entendre souvent, cet hymne des Jeux. On va l'attendre pour la remise des médailles. Et musique très entraînante, donc qui donne une belle image, je crois, aussi de la Réunion. Et effectivement, Madame Prix a été effectivement vainqueur du concours qui avait été organisé pour cette hymne des Jeux. Et c'est Éric Dagard, donc désormais seul sportif réunionnais à porter ce drapeau. Et on va donc gagner un petit jeu de drapeau là, on en a posé un et on va maintenant hisser celui qui était déjà en place. À l'unisson, on imagine, avec les 8 athlètes, les 8 sportifs réunionnais choisis pour le porter et certainement pour le hisser au sommet du mât. Les Jeux des îles 2015, j'y étais. Beaucoup de personnes dans ces gradins d'ici une semaine eh bien, pourront le dire cette phrase. Les Jeux des îles 2015, on y était. C'est un temps fort également de la cérémonie d'ouverture. Il n'y a qu'à voir, de nombreux athlètes effectivement seront retournés vers le mât pour voir le drapeau être hissé avec l'hymne des Jeux. Et effectivement, à partir de ces instants, on commence vraiment à rentrer dans les Jeux. Ça va être également cette intensité va monter en puissance jusqu'au moment où on va allumer la flamme. Et le voilà, ce drapeau hissé au sommet du mât. Il restera là pendant toute la durée des Jeux jusqu'à dimanche prochain. Et eh bien voilà, donc c'est sympa pour ce drapeau. Prochaine étape de cette cérémonie d'ouverture, il y aura eh bien, la prestation des serments. Alors il y aura des serments solennels. Il faut savoir que les serments seront. Il y aura le serment des athlètes. Il y aura également le serment des juges arbitres et le serment des entraîneurs. Là aussi, les personnes ont été désignées. Je vais préciser, même toujours désigné également, c'était pris par le choix du club réunion. Hein, c'est par leur père. Là. Par leur père. C'était lors du dernier regroupement du club Réunion à Saint-Pierre, là où on avait désigné le porte-drapeau Mathieu d'Orfeville, mais on avait également désigné les sportifs et sportives qui vont, dans quelques instants, prêter serment. Ok, on part de là-bas.
Juste avant, il nous semble que Bayoun va nous faire une petite démonstration d'ambianceur. Bayoun qui est juste devant la tribune officielle et qui met un petit peu l'ambiance à sa manière. En attendant, on va demander à Annie Kamakouzi, Christophe Simard, Nathalie Gravina, Dominique Dernier. Tous ceux qui doivent décemment de venir nous rejoindre au niveau du petit podium, s'il vous plaît. Alors attention, attention, on va donner le temps de départ. Bayoun, est-ce que tu es prêt? Bayoun, fais-moi signe. Alors, est-ce que le public, est-ce que vous êtes prêts? On n'a rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Le voilà, Bayoun, de son rôle d'ambianceur. Qui... Quand tu veux. Il tente de mettre un peu d'ambiance dans ces gradins là, qui soulève même une hola. C'est formidable. En tout cas, Bayoun déjà dans son rôle d'ambianceur là. Hein. Tout à fait, effectivement, avec un public qui répond présent. C'est-à-dire que c'est clair et on souhaite que ça soit sur tous les stades cela, que la population réunionnaise soit à côté de l'ensemble des délégations sportives pour faire la fête. On préfère cette image-là, Eric Murat. Bayoun qui dit qu'il fait un 200 mètres extraordinaire. Oui, après aussi, je crois qu'il y a aussi des petits groupes d'athlètes qui immortalisent ce moment entre eux. Là aussi, c'est des souvenirs pour plus tard, pour qu'ils puissent se dire on y était là. Allez, on va maintenant, écoutez, on va, je crois que Bayoun va poursuivre. On va enchaîner une hola avec les athlètes, les différentes délégations. Voilà, c'est parti timidement, mais ça va arriver jusqu'au bout. Attention, après la hola des spectateurs, la hola des athlètes. Il faut quand même souligner le courage de Thibaut Bayoun parce qu'il faut porter effectivement cette tenue. Il fait bien chaud dessous. Et ça va durer quand même une semaine complète, 8 jours. Hein. Oui. Thibaut aura du boulot. Il est très sollicité pour des photos. Alors, les serments, premier serment, ce sera le serment des athlètes. Et il va être prononcé par Annick Georges, qui est footballeuse de la sélection de La Réunion, et Loïc Bertil, champion de badminton. Les deux athlètes montent à l'estrade. On les écoute pour le serment des athlètes. Le serment des athlètes. Les voici, Annick Georges et Loïc Bertil, main levée bien sûr. Nous promettons que nous prendrons part à ces Jeux olympiques en respectant et en suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. On peut voilà pour le serment des athlètes, pardon, appel au respect, au fair play. Annick Georges, donc, et Loïc Bertil. Après le serment des athlètes, ce sera le serment pour les entraîneurs. Et vous avez noté qu'autour de l'estrade, eh bien, l'ensemble des porte-drapeaux se sont regroupés autour de cette estrade. Alors c'est le serment des arbitres pour l'instant. Il sera prononcé par Nathalie Gravina, arbitre de volleyball, et Dominique Dervillier, arbitre de natation. On les écoute. Au nom de tous les juges et officiels, nous promettons que nous remplirons nos fonctions pendant ces Jeux des îles de l'océan Indien en toute impartialité, en respectant et en suivant les règles qui les régissent. Ils régissent dans un esprit de sportivité. Allez, on les applaudit pour le moment. Le troisième serment, celui des entraîneurs, il sera prononcé par Annick Amakouti pour le handisport et Christophe Thima pour l'athlétisme. Au nom de tous les entraîneurs et des autres membres de l'entourage des athlètes, nous promettons de faire respecter
et de défendre pleinement l'esprit de sportivité et le fair play selon les principes fondamentaux de l'Olympisme. Voilà pour les serments des entraîneurs. Et normalement, la prochaine étape, eh bien, ça va être l'arrivée de la flamme olympique, autre moment fort de cette cérémonie d'ouverture. Merci, merci à tous ceux qui ont pris des serments. Dans quelques instants, la flamme. Alors, la grande question que beaucoup, beaucoup de monde se pose, Alain Lagnier et Éric Murin, c'est qui sera celui ou celle, ou qui seront ceux, eh bien, qui vont allumer tout à l'heure la Johnny. Fameuse vasque. Oui, Valérie Filin. Oui, effectivement, c'est l'une des grandes questions que tout le monde se pose. Hein. Qui sera le dernier ou la dernière porteur ou porteuse ou de derniers, cette flamme ou les, jeu, ou les derniers. C'est vrai, vous avez l'air plutôt bien informé. Les derniers. En tout cas, ils ne sont pas loin, hein, tous ces Olympiens. Ils se préparent juste à côté. Je leur ai bien évidemment posé la question et ils préservent le suspense, le mystère. Donc, on va découvrir tout ça dans un instant. L'autre question, c'est qu'est devenue la délégation des Comores. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est restée? Est-ce qu'elle va participer à ces Jeux? Bien là aussi, je suis allée enquêter et le ministre des Sports des Comores a quitté le stade olympique de Saint-Paul, a quitté la ville de Saint-Paul. Le président du comité national olympique, celui qui s'était présenté un peu comme un médiateur tout à l'heure, celui qui voulait apaiser les choses, eh bien lui aussi est parti avec le ministre. Donc la réponse du chef de mission de la délégation des Comores, c'est nous ne participerons pas à ces Jeux. Voilà la dernière position. Une information très importante donc remontée. En tout cas, c'est encore une décision qui nous attriste en tout cas Alain Lagnier. Oui, très décision effectivement qui jette une ombre sur cette cérémonie d'ouverture. Mais bon, vous savez, on est sportif. On est capable de se retrouver autour d'une table et j'espère effectivement qu'on va pouvoir s'expliquer et que demain, ben, sur les terrains de sport, on va retrouver nos amis comoriens pour participer effectivement aux compétitions. Éric Murin. Écoutez, Johnny, moi ce que je regrette dans cet épisode est l'absence de nos frères comoriens au jeu, éventuellement, s'ils participent aux compétitions, c'est que cette problématique doit être réglée sur le plan politique. On ne peut pas tous les 4 ans revenir sur un problème diplomatique. Les sportifs ne sont pas là pour payer ce genre de manque de considération, de suivi ou de diplomatie. Je trouve ça dommage. Les athlètes comoriens se sont préparés comme l'ensemble des athlètes très longtemps pour venir à cette compétition et c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à participer à cette compétition et je trouve ça regrettable. Surtout pour des sportifs qui ont attendu 4 ans. Regardez cette image qui nous arrive des rues de Saint-Paul. Eh bien, c'est la flamme olympique qui avance vers nous, qui avance vers l'entrée du stade olympique. C'est un groupe de jeunes Saint-Paulois qui ont l'honneur d'amener cette flamme jusqu'à l'entrée du stade olympique. Et une fois à l'entrée de ce stade, c'est un groupe d'Olympiens qui prendront le relais, qui prendront cette flamme. Alors des Olympiens, on rappelle, ce sont ces Réunionnais qui ont eu la chance de participer à des Jeux Olympiques. On va vous en citer. Le premier qui prendra cette flamme, ce sera Jean Maillère. Jean Maillère, c'est le premier Réunionnais à avoir participé à des Jeux Olympiques. C'était en 1976 à Montréal et il aime à nous raconter sa participation car il a dû quitter surprenante la compétition car il était qualifié pour les quarts de finale, il s'était blessé avant les demi-finales, il avait dû déclarer forfait pour la demi-finale, c'était en 1976 à Montréal. Et la flamme là qui s'approche de plus en plus de l'entrée du stade, les derniers mètres avant d'entrer ici dans ce stade olympique de Saint-Paul. Alors on va citer
On va vous les citer maintenant. Vous avez cité Jean Mayer, effectivement, ouais. Premier donc olympien, mais oubliez Jean Mayer, effectivement, est revenu à La Réunion. Il a eu une carrière d'entraîneur puisqu'il a été conseiller technique d'athlétisme pendant de nombreuses années, effectivement, à La Réunion. Et il a pu, effectivement, participer à la formation de nombreux jeunes réunionnais pour le bien de l'athlétisme à La Réunion. Alors on va vous les citer, ces Olympiens qui vont porter la flamme olympique tout autour du stade. Il y aura Jean Mayer, on l'a dit, il y aura Jean-Louis Prianon, il y aura Daniel Sangouma, Chantal Dallenbach, Franck Schott, Nelly Ramassamy, Sabrina Richard, Willy Blin, Leila Duchemann, Joanie Madden, Jean-Michel Raymond et Boris Steinmetz. Voilà. La dizaine d'Olympiens qui ont bien voulu participer à cette cérémonie d'ouverture et surtout participer à ce parcours de la flamme, les derniers mètres du parcours de la flamme dans ce stade avant l'allumage de la vasque. Mais pour l'instant, tout le monde attend l'arrivée de cette fameuse flamme olympique. Tout le monde a les yeux rivés vers l'entrée du stade. Alors peut-être qu'en attendant, ma chère Valérie, si vous pouviez nous remonter ici et là quelques petites réactions d'athlètes, ce serait formidable. Demandez Johnny et ça sera fait. En attendant bien sûr que la flamme olympique arrive. Alors juste pour rappel, la flamme olympique qui a parcouru les 24 communes de l'île de La Réunion, elle est arrivée ce matin par la mer au débarcadère de Saint-Paul. Elle a parcouru quelques quartiers de la ville de Saint-Paul et elle devrait arriver ici dans quelques instants. Vous avez une petite idée, vous, Alain Lanier, sur celui, celle ou ceux qui allumeront la flamme tout à l'heure? Jamais. Jamais, c'est un secret qui est très bien gardé. Ah, Éric Murat peut-être. Non. Non plus. Non, non plus. Pas du tout. Bon, on le saura visiblement en temps et en heure voulu. La flamme est là. On la voit. Ah, ce que je voudrais dire, effectivement, en attendant, vous avez cité l'ensemble des Olympiens. Ce qu'il faut remarquer également dans cette liste des Olympiens, c'est la diversité des pratiques sportives et effectivement donc qui prouve que le niveau sportif réunionnais ne s'exprime pas simplement dans une ou deux disciplines, mais en fait il couvre l'ensemble des disciplines sportives et on a des résultats effectivement. Pendant plusieurs années, nous avons organisé les victoires des champions. C'était une grande cérémonie en direct, effectivement organisée à la télévision et qui visait également à mettre à l'honneur tous ces champions qu'on retrouve aujourd'hui à travers les meilleurs des meilleurs que sont nos Olympiens. Il faut aussi préciser que tous les Olympiens, tous les Réunionnais Olympiens ont été invités. Qu'il y en a qui n'ont pas pu venir faute de disponibilité. Un garçon comme Daniel Narcisse en ce moment, il est au Qatar avec son PSG. Et forcément, il ne pouvait pas être là. Mais Jackson Richardson aussi s'est excusé. Danielos doit nous rejoindre. Davidos, nous rejoindre bientôt. Voilà. Et voilà. Et voilà la flamme qui avance. Un des porteurs, le gardien qui est à l'extrême gauche, et bien c'est Georgi Fernand, champion de France, champion d'Europe et champion du monde de boxe française. Alors que justement, vos amis, ces Chinois sont en train de faire la danse traditionnelle. Et tout en blanc, tout de blanc vêtu, ce sont nos Olympiens, me semble-t-il. On remarque la grande carcasse de Jean-Louis Prianon. Ils sont tous là. Voilà, la flamme arrive. Qui va prendre le relais de cette flamme en premier? On va le découvrir. Jean Mayer s'avance. Et voilà, Jean Mayer, on le rappelle, le premier Réunionnais à avoir participé à des Jeux Olympiques. C'était en 1976 à Montréal. Jean Mayer, c'est lui. Et on vous rappelle son histoire à l'époque. Alors la spécialité, on ne l'a pas dit, Jean Mayer, c'était un spécialiste du 110 mètres haies. 110 mètres comme Guidrut, effectivement. Hein, comme Guidrut, voilà. L'ancien ministre des Sports qui avait fait médaille d'or donc aux Jeux Olympiques. Et bien Jean Mayer a le bonheur donc de porter en premier cette flamme olympique. Et c'est bien. Le c'est premier, bien, forcément. Qui est en même temps, effectivement, c'était le premier Réunionnais à partir pour vivre ces Jeux Olympiques, cette magnifique expérience. Allons le dire, c'est un patrimoine réunionnais. Jean Mayer, on vous rappelait sa participation, donc, qui avait dû déclarer forfait
juste avant les demi-finales. Jean Maillère qui transmet le flambeau, la flamme à Jean-Louis Prianon. Jean-Louis Prianon, mémorable, inoubliable athlète qui avait fini quatrième, on le rappelle, aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. C'était sur 10 000 mètres. Une quatrième place qui, on peut le dire, avait presque valeur de médaille de bronze. Hein. Ça avait beaucoup chagriné notre prix d'être à la limite de ce podium. Mais je crois qu'il a su rebondir, il a su reconstruire notre parcours. Aujourd'hui, il est en tant qu'entraîneur, il est en tant qu'organisateur. Et c'est un rôle qui lui va très bien. Pour revenir sur Jean Maillet, il a fait une carrière extraordinaire en tant qu'entraîneur aussi. Et là, on voit Daniel Sangouma. C'est Daniel Sangouma qui prend la flamme des mains de Jean-Louis Prianon. Daniel Sangouma qui a participé aux Jeux Olympiques de 1992. C'était à Barcelone. Et il avait été formidable avec le 4x100, le 4x100 mètres. Le 4x100 mètres. Sprint avec donc les Marie-Rose notamment. Le voici Daniel Sangouma, multiple fois champion de France. Également champion du monde. Ils ont établi le record qui a tenu pendant une dizaine d'années. Donc effectivement. Ils avaient réussi à prendre ce record du monde aux Américains qui à l'époque étaient les rois du sprint. Un grand monsieur de l'athlétisme. Tout à fait. Chantal Dallenbach maintenant qui prend le flambeau. Chantal Dallenbach qui a participé aux Jeux Olympiques de 1996. C'était à Atlanta. Et elle avait couru le marathon, Chantal Dallenbach. Grande dame également, comme vous le disiez, Eric. Spécialiste du cross, mais également du marathon, Chantal Dallenbach. 1996. Je crois qu'on ne mesure pas toute l'amour qu'a pu transmettre cette grande dame à la génération qui arrive derrière pour justement faire que le sport soit une valeur sûre. Et Chantal Dallenbach fait partie de ces grandes réunionnaises. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres grandes dames du sport français là, qui vont également prendre ce flambeau après Chantal Dallenbach. Il y a une chose à noter, effectivement, regardez tous nos Olympiens, ils ont tous le sourire, la joie, on a l'impression qu'ils ont gardé effectivement cette joie du temps où ils étaient athlètes et ce plaisir. Franck Schott, le nageur, présent aux Jeux Olympiques d'Atlanta et désormais conseiller technique et sportif de la natation réunionnaise. Lui aussi, c'était un grand monsieur à cette époque. Il brillait sous les couleurs de l'équipe de France. Il s'est illustré dans tous les bassins européens et mondiaux. Franck Schott également revenu à La Réunion pour mettre toute son expertise et toute son expérience au service des jeunes nageurs réunionnais. Jeux Olympiques 1996 à Atlanta pour Franck Schott, qui avait également été des Jeux 92 à Barcelone. Après 1996, 4 ans après, Jeux Olympiques 2000, et c'est à Sydney en Australie. Et c'est Nelly Ramasamy, la gymnaste, qui prend à son tour la flamme olympique. Elle avait été avec Elvire Teza, notamment les Eric Casimir, présente à ces Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. Championne de France également à son époque. Et sublime Nelly Ramasamy qui est revenue également au pays et qui œuvre à Saint-Pierre maintenant, sa ville d'origine. Et elle œuvre effectivement dans le mouvement sportif également, puisqu'elle est secrétaire générale de l'OMS de Saint-Pierre. Elle est toujours très active et ça fait plaisir de voir justement nos grands champions revenir à La Réunion et maintenant se consacrer au développement de nos jeunes sportifs. Ah, y a du bonheur, il y a de la fierté, il y a pas mal d'émotions là, qui se lisent sur le visage de nos Olympiens. Nelly Ramasamy. Je crois que c'est un moment très important pour eux. C'est aussi un moment de reconnaissance du travail accompli. Parce que c'est un boulot, c'est un sacré boulot d'être sportif de haut niveau. On s'entraîne tous les jours.
On est dans les épreuves, on est dans les avions, on est dans les gymnases. Et c'est vrai que quelques années après, avoir quitté le stade ou quitté le ring, là, ils nous montrent ce moment où ils apprécient, c'est agréable parce qu'ils ont su aussi passer un flambeau. Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, il y avait également Sabrina Richard, grande championne, grande dame de l'haltérophilie française. Alain Lanier, vous le disiez tout à l'heure, elle avait été en 2000 la seule, la première française à participer aux Jeux Olympiques en haltérophilie. Sabrina Richard, plusieurs fois championne de France également d'haltérophilie. Voilà, Sabrina Richard qui attend un heureux événement et c'est peut-être un futur ou une future championne réunionnaise. Qui sait. Et là aussi, le bonheur de Sabrina Richard d'avoir été choisie pour porter cette flamme olympique ici au stade olympique de Saint-Paul. Non seulement c'est une grande figure pour le sport réunionnais, mais c'est aussi une grande figure pour l'Ouest, parce qu'elle était quand même une des premières sportives dans l'Ouest à arriver à ce niveau de compétition avec les nageurs, et je crois que là aussi elle se fait grassement plaisir. Et regardez quand même l'engouement que cela suscite, hein. Si on évoque Sabrina Richard, il faut évoquer la famille Richard et son père entraîneur. Grande quand tu parlais d'une famille dans l'Ouest, grande famille, effectivement les Richard dans l'Ouest. Alors regardez les gens qui se pressent là, les autres athlètes qui se pressent. Willy. Et après Sabrina Richard, eh bien c'est Willy Blain, le boxeur, champion du monde en 2003. Le boxeur qui avait été porte-drapeau également de l'équipe de la Réunion. C'était en 2000, je crois que c'était, alors il me semble 2003 à Maurice, donc porte-drapeau médaillé d'or. Willy Blain qui avait été des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Ça était aussi. Champion du monde de sa catégorie en 63,5. Et voilà Willy Blain. Grand boxeur de l'équipe de France qui a sillonné les rings sur le plan international et qui a su marquer de son empreinte et aussi ramener un style de boxe qui était très aérien, qui était un particularisme pour lui. Ça a fait qu'on l'a surnommé le Red Sugar Leonard, parce que vraiment un boxeur avec un coup d'œil, une rapidité, une disponibilité motrice, il avait vraiment une aisance, je dirais, déconcertante sur le ring pour beaucoup de boxeurs qui a dû l'affronter. C'est notre grand Willy Blain. Et autre grande dame du sport réunionnais, du sport français, tout sourire, Leila Duchman, la handballeuse. Elle avait été des Jeux Olympiques 2004 à Athènes avec l'équipe de France. Elle avait été vice-championne du monde également, plusieurs fois championne de France avec l'équipe de Metz. Leila Duchman, formée au FC Port et revenue depuis, après sa carrière de haut niveau, revenue à La Réunion. Elle sera avec la sélection de La Réunion de hand féminin et la Duchman. Et comme le tonne si bien l'animatrice du stade, elle avait été élue meilleure arrière-gauche du tournoi cette année-là. Leila Duchman, le jeune. Avec que de grands noms du sport réunionnais. Une femme d'une grande modestie avec un palmarès extraordinaire. Ah, il y a de l'émotion, hein. On reste encore dans l'émotion, dans le bonheur. Regardez les délégations, les sportifs qui se pressent là pour prendre la pause aux côtés. Et après Leila Duchman, c'est un arbitre, mais quel arbitre reconnu internationalement. C'est Johanny Madden, arbitre de boxe, qui prend à son tour la flamme olympique. Et on pourrait en dire beaucoup, Eric Murin, sur Johanny Madden, l'un des meilleurs. Tout à fait, oui, c'est un arbitre reconnu sur le plan international. On va dire, il n'y a pas de boxeur sans arbitre, il n'y a pas de match sans arbitre. Et Johanny Madden incarne bien cet arbitre qui sait... comment se déroule un combat, comment faire respecter le match, comment un combat doit se dérouler. Et c'est vraiment un arbitre de renommée internationale qui a vraiment pu positionner la boxe locale sur le plan mondial. Et toutes mes félicitations, et j'espère qu'il va continuer et surtout qu'il va assurer derrière la formation des jeunes arbitres qui arrivent, dont il le fait très bien. Johanny Madden qui avait arbitré aux Jeux Olympiques 2004 à Athènes, en Grèce. Mais c'est à la fois effectivement une image pour la boxe, mais c'est un symbole pour tous les juges et officiels réunionnais. Et regardez ce symbole, un arbitre de boxe qui passe le flambeau, un autre boxeur, Jean-Michel Raymond.
Jean-Michel Raymond qui a participé aux Jeux Olympiques 2008 à Pékin, là encore. Des boxeurs en nombre au rang de ces Olympiens, Éric Murin, ça doit vous réjouir. Hein. On avait Willy Blin, Johnny Madden et la Raymond. Bien sûr, je crois que la génération qui nous a succédé, on y a travaillé pour laisser un flambeau, pour laisser un marqueur. Et je crois que Michael Raymond représente bien ce boxeur qui a su quand même évoluer au sein de l'équipe de France et participer aux Jeux Olympiques. Très grand boxeur, une très bonne classe, quelqu'un qui a été multiple champion de France. Aujourd'hui, c'est vraiment en récompense de sa carrière bien héritée et qui aujourd'hui, je crois, évolue à la mairie de Saint-Pierre en tant qu'éducateur sportif. Et je crois que c'est tout le bien que je lui sais. Le dernier relais de la flamme, Jean-Michel Raymond vient de transmettre la flamme olympique à Boris Steinmetz qui était aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin également et qui avait nagé avec la grande équipe de France avec les Alain Bernard et autres. Fait partie du relais et qui a une médaille effectivement. Il avait été médaillé avec le relais Alain Bernard et tout. Boris Steinmetz, voici donc, vous les avez vus, la quinzaine d'Olympiens réunionnais qui ont porté cette flamme olympique jusqu'au pied de la vasque. Et maintenant la grande question que tout le monde se pose, qui sera celui ou ceux? Eh bien, on va vous le dévoiler immédiatement. Les deux qui ont été choisis pour prendre la femme et l'emmener à la vasque, pour allumer la vasque, eh bien, c'est tout simplement Jean Maillard, le premier, et Nelly Ramasamy. Le secret avait été soigneusement gardé, mais nous, on le savait. Les voilà, les deux heureux Olympiens qui vont avoir, eh bien, l'honneur d'allumer cette fameuse vasque et faire embraser la grande flamme. Effectivement, tous nos Olympiens mériteraient d'allumer cette flamme. Il fallait bien faire un choix et je crois que ce choix est très judicieux. Jean Maillard, le premier Olympien, le premier à partir, à affronter, je dirais, l'inconnu au niveau sportif. Il partait pour les Jeux Olympiques. C'est la première participation réunionnaise. Et là, vraiment, on découvre ce que c'est. De l'autre côté, Nelly Ramasamy, effectivement, sa brillante carrière de gymnase. Mais également la disponibilité des deux, que ce soit Jean, que ce soit Nelly. À chaque fois qu'on leur demande, qu'on les sollicite pour le mouvement sportif réunionnais, ils s'empressent de répondre présent. Ils ont la volonté effectivement également de participer et de rendre au sport ce qu'ils ont pu vivre. Donc c'est un choix très judicieux. Jean Maillard et Nelly Ramasamy au pied de la vasque. Je vous demande, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, de les applaudir très fort. Alors, la vasque en forme de volcan. Et une fois allumée en bas, ça va s'enflammer pour arriver jusqu'au haut de la vasque. Un petit moment de suspense, est-ce que ça va s'allumer? Radieuse Nelly Ramasamy. Que dire alors de Jean Maillard? Qui attend juste d'avoir attention. Ça y est, c'est bon. Et regardez le petit trait rouge qui monte. Suivez bien, elle monte jusqu'au sommet. Et la vasque est allumée. Voici cette flamme olympique eh bien, qui illuminera notamment le stade olympique lors des épreuves d'athlétisme pendant toute la durée des Jeux. Elle va briller dans le ciel Saint-Paulois pendant 9 jours. Elle brille dans le ciel Saint-Paulois, mais symboliquement elle brille dans le ciel réunionnais puisque les compétitions sportives vont se dérouler un peu partout dans toute l'île, de Saint-Benoît en passant par Saint-Denis jusqu'à Saint-Pierre. Donc effectivement cette flamme va briller pour la Réunion. Pour la réunion sportive, pour la réunion également des valeurs de l'olympisme. Alors que l'hymne des Jeux résonne dans le stade olympique de Saint-Paul, sous les applaudissements des milliers de spectateurs présents pour cette cérémonie d'ouverture des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Alors, il est important donc à déplacer de toute urgence une Peugeot DM322
Allez, Valérie Filin qu'on rejoint au bord de la pelouse. Valérie Filin avec peut-être un porte-drapeau heureux. Eh oui, un porte-drapeau heureux. Nous sommes avec Mathieu Dacreville, le porte-drapeau de la délégation Réunion, délégation France, Océan Indien même. Mathieu, est-ce que jusqu'ici vous passez un très bon moment? Super moment, c'est que du bonheur. Comme j'avais dit, c'était un honneur et une fierté de pouvoir représenter la Réunion dans le judo et de représenter aussi tous les sportifs réunionnais avec, en tant que porte-drapeau, donc je suis très content. Et en tant que porte-drapeau, dis-nous dans quel état d'esprit se trouvent tous vos hommes, tous vos compétiteurs, vos athlètes au masculin et au féminin ce soir? Alors toute l'équipe est en forme, c'est sûr qu'on est en fin de préparation, donc on est un petit peu usé de la prépa, il nous reste 2 jours pour récupérer et on sera au top mardi, mercredi et jeudi. Merci beaucoup Mathieu Dacreville. Johnny, tout à l'heure il y avait quelques inquiétudes hein, après le départ de cette délégation des Comores. Maintenant on voit que tous ceux qui sont restés, eh bien, ils sont impatients, ils ont envie d'entrer en compétition, ils ont envie de faire la fête. Certains ont déjà commencé à danser le maloya au son de l'hymne des Jeux, qu'ils soient malgaches, qu'ils soient des Maldives, qu'ils soient des Seychelles, de Maurice ou de La Réunion et de Mayotte, hein, sans oublier Mayotte bien évidemment. Ils sont là en train de danser sur cette pelouse du stade olympique de Saint-Paul, que la fête commence, j'ai envie de dire. Dites-nous Valérie, est-ce que les autres athlètes, notamment Mathieu Dacreville, est-ce qu'ils ont suivi l'épisode comorien? Est-ce qu'ils ont un avis? Tout à fait, on va demander à Mathieu Dacreville son avis. Ils ont suivi cet épisode, bien évidemment. Certains sont attristés hein, pour la grande fête du sport, mais je vais demander à Mathieu Dacreville son avis tout de suite sur le départ de la délégation des Comores. Une réaction, Mathieu? Oui, moi je trouve regrettable. En tout cas, moi j'étais un peu déçu de défiler loin de mes compatriotes réunionnais. Je suis déçu pour les Maorais qui auraient pu avoir aussi leur porte-drapeau. Après, le protocole est comme ça et nous, les sportifs, on ne contrôle rien, donc on fait ce qu'on nous dit de faire. Merci Mathieu, voilà pour cette première réaction. Les athlètes de Mayotte ne sont pas très loin de Johnny, donc on va aller les voir, on va leur poser la question, hein, que pensent-ils de tout cela, du départ des sportifs comoriens. J'ai une sportive mahoraise avec moi, bonsoir, vous êtes en direct. Une réaction après le départ de la délégation des Comores, quel est votre sentiment? Ben moi, je crois qu'ils sont partis et je ne les ai pas vus. Et c'est vraiment décevant. Okay. Décevant sur quel point précisément? Dites-nous pourquoi. Sur le point social, sur le point organisation, les Jeux des Îles, c'est l'amitié, la fraternité, c'est tous ensemble. On joue, on se côtoie et c'est ça les Jeux. C'est ça l'esprit des Jeux, Johnny. Hein. C'est ce que certains sportifs comoriens nous disaient aussi en coulisses. Hein. On nous disait que cette décision fait l'unanimité. Cependant, certains regrettaient de ne pas pouvoir participer à ces Jeux. C'est dommage pour le sport, nous ont-ils dit. Mais c'est comme ça. Nous avons l'impression qu'on ne nous respecte pas. Voilà le sentiment, dernier sentiment dans la délégation des Comores tout à l'heure. Merci, ma chère Valérie. Alors que toute la partie protocolaire se termine, les différentes délégations vont maintenant rejoindre la partie du stade où ils vont s'asseoir tranquillement, on l'espère, afin de participer à la deuxième partie de cette cérémonie. C'est la partie festive, la partie spectacle, la partie ambiance. Et bon, peu d'informations ont coulé sur le contenu de ce spectacle, pardon, même si on en connaît quand même les temps forts, on va le découvrir. Le peu qu'on peut vous dire, c'est que c'est un spectacle qui va être formidable, sublime, mais on verra ce spectacle. On va juste marquer une pause et revenir juste pour le début de ce formidable spectacle. À tout de suite.